Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne des amateurs du live sim racing pour cette manche du Grand Prix de France, manche numéro 8. Bien sûr, à mes côtés, il y aura Flo Flo. Ouais, salut Alex, salut tout le monde. Et Comment bien vous sûr, allez? oui, ça va. Et j'ai présenté le petit Ouais, et David. le troisième larron avec nous. Ouais. On va Ah dire oui, lui. je me suis inscrité, tout le monde me connaît déjà, donc je vais pas Ah, c'est notre ami David. Voilà, David avec nous. Donc ce soir, on est trois, exceptionnellement. Baptiste n'est pas avec nous parce qu'il est aux urgences là, depuis peu. Voilà, il s'est taillé le doigt cet après-midi et voilà. Donc, direction les urgences pour Baptiste. Bon rétablissement en tout cas à toi, Baptiste. Il nous a dit qu'il regarderait le live aux urgences. Donc, mets le son à fond, montre-le à tout l'hôpital. Vas-y, Baptiste, lâche-toi. Réveille tout le Ah monde. mais non mais c'est dommage, je roule pas, il peut pas montrer à tout le monde. Et ouais, non. Tu roules pas, non. Bon voilà, on est parti donc pour la huitième manche sous la pluie dans les qualifs pour le Grand Prix de France. Donc ça promet. Alors est-ce que la course va être sous cette météo-là au Castellet? C'est particulier, donc C'est espérons vrai pour les qu'on pilotes que non. n'a pas les infos. Après, si un pilote peut lâcher l'info dans le live pour nous dire la météo, ça peut être bien. Hop, je vais essayer de voir si quelqu'un me la donne. Non, course sec de la part de Titi. Qualif en pluie et course sèche. Ok. Ouais, c'est ça. Merci Titi. Donc Titi qui participe à normalement un pilote F2 dans le championnat PES F2. Il s'érise et là, voilà, là pour remplir le salon. En plus, ils ne sont que 14. Apparemment, ce Grand Prix n'attire pas grand monde. Ils ne sont que 14. Donc, des pilotes F2 dedans. Mika, Titi sont des pilotes F2. Tout à fait, Si oui. je ne me trompe pas. Roby One aussi, il me semble. Je crois qu'il est dans le F2. Non, Robbie One n'est pas CFM. Il Il est était passé pas F1? CFM. D'accord. Ouais. Putain. Ah, Je dis peut-être des hop. bêtises, mais. Il me semble, je Non, me non, rappelle. il est F2, c'est Atomic Weather que je confondais, pardon. C'est. Oui, t'as raison, il est F2. Oui. Alors, hop, on va se mettre sur le mat. Hop là. Alors, on va découvrir la piste avec quel pilote, Alex? Qui est-ce que tu vas choisir? Alors je vois bien Atomic Weather. Je vais voir où il en est. Non. Alors. Widi. Hop là. Je vais voir où il en Alors, est. tac. Beaucoup de monde qui sort des stands après avoir fait la stratégie. Après, j'ai Willy qui est bientôt arrivé sur le départ. Allez, bon, on peut partir sur Widi. On le connaît, Widi. Plusieurs victoires dans le F2, dans le F1, pardon. Caméra embarquée. Nickel. Allez, j'ai juste la télémétrie. Allez, Après, hop. ce qui est bien sur ce circuit, c'est qu'il est très technique. En fait, ça repose plus sur la technique de pilotage. Tu sais, tu prends mal un virage à peu près d'une demi-seconde, une seconde. Et voilà, ce sont les pilotes qui maîtriseront vraiment. Attention, la Et tour aussi c'est qui part. parti donc pour Widi. Ouais, Widi qui entame son premier tour. Donc virage gauche-droite dès le départ. Là. Alors je connais pas du tout les noms des virages. Hein. Ni moi La non plus. grosse Là, je... parabole. Voilà, là ça zigzague, on va dire. Je connais pas du tout. Hein, le circuit que je découvre plus ou moins dans le jeu. Non, t'inquiète, je vais te. Vas-y, vas-y. Ah, David, Moi c'est je vais un en profiter pour professionnel. partager le live du coup. Vas-y, Attendez, Google, c'est mon meilleur ami. vas-y. La Je vois longue tout le ligne droite du monde. Mistral où se trouve Widi, ça, C'est par contre, ça. je la connais. Et encore, elle est coupée par une chicane. Normalement, elle dure beaucoup plus longtemps. Voilà, c'est un circuit par. Oh, attention, une Renault. Alors, est-ce que c'est Netball qui est sur la piste de travers? On l'avait vu en forme. Ça sort large pour Widi. Oui, il a un peu de mal sous la pluie quand même. On voit, est-ce qu'il a eu un setup pluie ou pas. Allez, je vais partager ça. Je vous laisse commenter, les amis. D'accord.
Moto arrivé sur la ligne d'arrivée. On voit qu'il a du mal, lui, il est quand même sous la pluie. Ça zigzague. Ouais, sous la pluie, tout le monde a du mal. Après, je pense que le truc, c'est qu'ils ont gardé, vu la météo, ils ont dû garder le setup sur le course en sec. En sec, oui, je pense. Ouais. Voilà, du coup, la voiture a glissé un peu plus. Et c'était mieux de sacrifier la qualif et de sacrifier la qualif pour avoir une course correcte. Et du coup, Willy qui fait la pole en 1.44, suivi de Matt. À 1.44.859. Après, ensuite, nous avons Atomic Weather 1.48 et Ayrton 25 en 1.49. On va suivre d'autres pilotes. Hop là. Je vais présenter vite fait les pilotes. Alors, FRT Willy en Ferrari, Matt en Mercedes, Atomic Weather en Renault, Ayrton sur la Haas, Chris Jovial Toro Rosso, Yoda sur Ferrari, Mika Red Bull sur la Red Bull, Lordium sur Mercedes, David sur Haas. Ah, moi je suis au stand. Ouais, t'es au stand. Netball sur Renault, Titi sur la Williams, Robbie One sur la McLaren, Gopher sur l'Alfa Romeo, Ashiroku Williams, et voilà, on a fait le tour des pilotes, ils sont 14. On va suivre, on va suivre Netball. Tiens. Alors il y a beaucoup de pilotes qui ont pas effectué le tour de qualif. Est-ce que la météo va évoluer pendant la qualif? Est-ce qu'en fin de qualif il y aura du sel? Déjà on voit qu'il pleut plus déjà là. Beaucoup moins que des départs. C'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de pilotes qui restent au stand en attendant le. Ils attendent le dernier moment, je pense. Voilà. Mais attention de ne pas partir trop au dernier moment. Ça rappelle, alors à Monaco, c'est un circuit différent. Mais avec notre ami Matt, qui a attendu le dernier moment justement pour sortir les pneus. Tech, il me semble, enfin des softs pour réaliser son meilleur tour. Sauf que c'était, il s'est fait avoir par un pilote au milieu de la piste et du coup n'a pas pu avoir de bon chrono et donc est parti dernier alors qu'il avait le meilleur temps de tous les secteurs. C'est les risques. Et ouais. Suivre. En train de partager. Oui. Bonsoir à tous sur le live. Je vais arriver sur les commentaires aussi. Ah, après aussi un truc, c'est, je pense que la course est en 6h et du fait qu'elle soit en 6h, en fait, il y a beaucoup de tours qui sont annulés. C'est peut-être une explication. Ouais. Mais là, on voit qu'il n'y a plus de pluie. Alors que Widi n'a plus d'aileron du tout. Je sais pas ce qui s'est passé, mais Widi a tiré tout droit et a complètement arraché l'aileron. Alors, plus rien. Il n'y a plus rien. Je pense que. Heureusement pour lui, il peut continuer. Rentrer au stand pour pouvoir réparer. Et on le voit là, il rentre. Allez hop, on va suivre le cas. Alors, toujours 8D en tête en 1.44 qui vient de rentrer au stand. Suivi de Matt, David, Ayrton, Atomic Weather, Yoda et Chris Jovial qui termine quand même le tour à 2 minutes. Alors bonsoir. Ouais, après vraiment sous la pluie, c'est voilà, les temps en qualif sont pas. C'est pas très parlant. Ah non, pas du tout, oui. Alors salut Bati qui nous dit bonjour sur le live. Alors apparemment il y a un écho bizarre sur ton micro Flo. Apparemment. C'est ce que me dit Titi, sauf que j'ai rien touché par rapport à l'habitude. Moi, je viens d'éloigner un peu, mais je vais te débrancher, rebrancher. Et je vous dirai ça.
L'Assisport qui me dit, tu nous fais un petit coucou. Julien Marie, il y a beaucoup de pilotes de F2 qui roulent ce soir. Vu qu'on avait dit, il y avait Mika, Titi, et après peut-être qu'on en oublie, je pense qu'il y a 6 pilotes. Obi-Wan aussi. Ouais. Apparemment, ils sont 6 pilotes du VF2. Je crois qu'il y a Chris Jovial qui fait partie du VF2 aussi. Oui, alors que Man De vient même. de partir pour un tour lancé, si tu veux le Ah suivre oui. Je vais aider ce quand pas. même. Hop. Sa Mercedes, engager le tour. C'est vrai que les qualifs sous la pluie, c'est. Y a pas trop de bataille de chrono en fait. C'est. Non. Celui qui essaie. Qui... En fait, sous la pluie, en fait, tu mets le train de pneus, tu mets un peu plus de carburant pour avoir un peu plus d'appui et tu roules. Tu Oui, roules, c'est tu y a roules, que tu ça roules en sous la rien. pluie. C'est ça la stratégie en fait. Jusqu'à ce que tu t'habitues à la piste et après tu vas commencer à améliorer doucement, doucement. Voilà, sinon. Après, ça va se jouer pendant la course parce que c'est. Je pense que c'est lui qui permet beaucoup de dépassements. Et en même temps, il est facile de perdre une seconde hein, sur son opposant. Donc. Voilà. Est-ce que vous m'entendez mieux? Ah, moi je t'entends depuis un hein, Flo. Ben moi c'est pareil, j'écoute pas Ouais, de... dites-moi si vous entendez toujours l'écho. Parce que je viens de débrancher et rebrancher. Là, si Sport qui nous dit, on t'entend un écho, Flo. Et ouais. Et oui, toujours. Ah, bah alors là, décidément. À part changer de casque, mais j'ai un son tout pourri. Il y a juste Alex qui est OK. Ah ben pour Qui une est fois, OK. normalement la dernière fois on m'écoutait pas, pratiquement pas, et là, Ça. ouais, c'est bizarre quand même. Hein. Non, là, je trouve ton micro mieux. Peut-être pour le live, je vois pas, je connais pas le rendu du live. Moi je peux pas écouter moi. Ouais. Allez, hâte que la course commence. Ouais. Mac qui reprend la pole en 1:43. Après, il reste qui en temps? Lordium, Titi, Gopher, Ashiroku, qui n'a pas fait de temps encore. Et on va se mettre sur Lordium. Alors, Bati qui nous dit, essaye de fermer la partie et d'en refaire une. Ah, je Après, je pense qu'il vois y a ce qu'il fait. une nouvelle team, la FRT, du coup avec Luigi, Yoda, Lordium et. Tac, tac, tac. Ouais, c'est tout. Ah, je croyais qu'il y avait Mika, mais Mika il est plus là. Mika, si il est là. Ah, Mika il est. Je le vois. Ah, oh, je regardais les Ferrari. Il est sur, il me semble sur Red Bull de mémoire, Mika. Oui, Red Bull. D'accord. Oui, c'est bon. Et aussi Mika qui fait partie de la FRT. Alors, hop. Excusez-moi pour l'écran bleu, petite manip. Apparemment, il y a écho pour moi avec le son. Hop là, excusez-moi pour l'écran bleu. Du coup, j'ai perdu tout le monde, j'ai perdu Foflo. Non, je Ah suis non, là, t'es moi je là. t'entends. Il y a juste David qu'on n'entend plus. Et apparemment, je parle et je m'entends plus en écho. Si. Voilà. Il faudrait redemander. Si, toujours l'écho. Bon, ben décidément, il y a toujours l'écho. Ben Il doit là. avoir un petit problème, ouais. Ouais, je ne sais pas du tout comment régler ce souci. C'est un souci de partie vocale. Du coup, t'as pu inviter David?
Oui, j'ai envoyé l'invite Ouais, déjà. tu l'as Oui, invité, oui. hein? Parce que s'il parle tout seul de son côté, Ouais. le pauvre. Je vais lui renvoyer quand même. Alors, on revient sur la course. Lordium, pole position en 1.43.111, suivi de Willy juste derrière. Ainsi de Matt, Yoda en 1.44, David en 1.45, Obi-Wan juste derrière. Ayrton en 1.46, Mika en 1.47, Tommy Kweser 1.48.019, son coéquipier Netball à 1.48.102, Ashiroku en 1.48.773 et Chris Jovial en 1.55. Tiens, on va les suivre. Oui, dit. Et Titi qui nous dit sur le live RFRT, ils ont créé ce petit groupe à 5 juste pour F1 car ils jouent toujours ensemble. Là, t'as ta réponse, David. Je sais pas s'il m'écoute. Oui. Ouais. Ah, du coup, FRT abandonne de coffre à on l'instant va pas se même. frotter à, Et il a cassé. Apparemment, ouais, on le voit abandonner. Pas de... D'ailleurs, sortez des qualifs, il a pas de chrono. Ah. Un abandon pour Coffer, il devait être un tour de chauffe. Ah, c'est compliqué. Après, la glisse elle va aussi vite sur le circuit. Alors que Yoda part pour un tour lancé, on va suivre le quatrième pour l'instant. Allez, hop, il y a Pilote Yoda. Ferrari. Donc, coéquipier, Widi. Oula, quel est le pilote qui tire tout droit? Il me semble, je crois que c'était Willy juste avant, Oh, j'avais vu. Lordium qui abandonne Lordium. aussi. Le poleman qui se crache. Donc Yoda, ah, il est toujours dans son tour. On va voir si ça va améliorer. Alors on voit que les murs quand même ils sont espacés, ils sont loin. Au niveau du. Ils sont pas rapprochés. Ouais, c'est le circuit où il n'y a pas de sable, d'herbe, rien du tout, que des bas-côtés goudronnés avec donc différentes adhérences pour le goudron, pardon, pour le bleu. Plus ils vont aller vers le rouge et plus ça sera plus abrasif pour accrocher la piste. C'est censé remplacer le sable, apparemment. D'accord. Pour faire le même effet de ralentissement que du sable. Sans trop abîmer les pneus, bien sûr. Yoda, je pense pas qu'il soit. Non, Yoda est à l'arrêt. Ça sera terminé pour Yoda. Il rentre au stand. Matt est parti. Le troisième. Allez, on va les suivre, Matt. N'est qu'à meilleur temps. D'ailleurs, il pleut plus sur la piste. Ah Plutôt. oui. Alors, ce que Toujours j'aime que. les pneus intermédiaires, mais voilà, il pleut pas. Et Matt va peut-être pouvoir réaliser un bon chrono, justement. Ouh, Ah, il ils est sont très sorti, ouais. larges. En vrai. Alors, est-ce Ah. qu'il s'est Ah non, loupé du coup, rentre non. au stand? Il rentre au stand, il me semble. Ouais, il devait tester un réglage peut-être. Ouais. Sauf que là, il pourra plus le modifier. Normalement, c'est pare fermée. Il peut plus modifier de voiture, de réglage sur la voiture. Et non. Là, je suis en train de suivre David ou il y a peut-être Widi aussi qui est toujours en piste. Non, Vu qu'il Willy est. est à l'arrêt. Ah, Widi est à l'arrêt. Ouais, on a Ouais. Atomic Weather, quatrième, qui est. Non, ben non, il a terminé. C'est David ou Ashiroku, hein. Allez, Ashiroku hein. qui est en train d'arriver, 8ème. Et est-ce qu'il améliorera? Non, il n'améliorera pas. David, David, maintenant non. 7ème qui arrive. Il n'améliorera pas non plus. Voilà, les pilotes en resteront là. Ils n'ont pas amélioré malgré la fin de la pluie. Alors qu'on a Julien Marais qui nous dit en s'entraînant avec David, on a bien testé les bandes bleues et rouges ensemble. Apparemment, ils ont passé plus de temps à rouler hors piste que sur la piste. On part sur la météo, la course est sec, c'est ça?
Ouais, on Oui, était au sèche à sèche. Ouais. pour je ne sais pas combien de tours encore, on le découvrira tout à l'heure. Donc voilà, la pole position réalisée par Lordium devant Widi à 88 millièmes. Pour 119 millièmes, derrière Lordium, on retrouve Matt. Ouais, c'est ça, Matt. Oui. Atomic Weather, 4e. FRT Yoda, 5e. Roby One, 6e. David, 7e. Shiroku, 8. Ayrton, 9e. Netball, 10. Mika, 11. Titi, 12e. Et Chris Jovial, 13e. Confer n'ayant pas réalisé de chrono. Alors que les écarts, quand même, entre Titi, Jovial et Lordium, plus de 10 secondes d'écart, ouais, ça fait c'est beaucoup. énorme, oui, c'est Ouais. énorme. Julien qui dit on teste tout le circuit, nous. Pour le coup, oui. Pour tester les bandes. Alors, Aïe. est-ce que David, tu es encore avec nous? On l'a perdu. Ouais. Il est parti tester les bandes, je pense. Ouais, Bande c'est ça, bleue, ouais. bande rouge. Vous m'avez perdu? C'est bon. Oui. Voilà, il est là. Oh! Tu parlais dans le vide et puis en fait, tu croyais qu'on t'entendait, on t'entendait pas. On l'a reperdu. Ouais. Je pense qu'il a envie d'aller sur le circuit et tester les C'est bandes ça. bleues et rouges. Non, Attendez, ben. je sais pas si je bug ou pas, mais. Non. Apparemment tu bugs, hein, sinon on t'entendrait pas, on t'entendrait tout le temps en fait. Oh Donc Météo France nous là signale météo sèche pour cette course. Donc pas de soucis sur la Côte d'Azur au Castellet. Bah il fait toujours beau dans le sud, hein. Oui, sauf pas dans les qualifs quoi. Oui, quoi que oui, dans les. mais C'est en c'est pas parce sud. qu'il pleut une fois dans le sud que vous allez vous plaindre. Oh Oui, là en plus ils sont inondés les pauvres. Alors je sais pas si c'est dans le Non, sud, non. sud, mais. Non, non, on n'est pas inondé, attention. C'est juste que l'eau était capricieuse. Et voilà. Mais techniquement, on n'est pas inondé. Venez en Auvergne, on risque rien en Auvergne. Hormis les volcans, mais ils dorment. Ouais, Bon. c'est ça. Ah, lui, vient nous embêter que sa région. Ah Alors là, on attend un peu que les pilotes peaufinent leur dernier réglage avant le départ. Je crois que c'est 3 minutes, il me semble. Non, Ils les ont. minutes, ils règlent plus rien. Après, ouais, voilà, les pilotes les plus expérimentés, ils partent avec quelques tours de carburant en moins, parce qu'ils peuvent récupérer pour être plus léger au début de course. Et au fil de la course, ils arrivent à récupérer le carburant qu'ils ont lesté. Donc, après, pour les moins aguerris comme nous, c'est mieux de partir avec le nombre exact de tours, ou avec un peu plus, pour être prudent. Mais sinon, après, c'est une question de stratégie, suivant les tests. Qu'ils ont effectué et voilà. Alors que le temps de chargement Est bien long. s'éternise. Oui. Ouais, il y a un Normalement, je crois qu'il y a. problème. Normalement, c'est Ah 3 non, non, minutes. ils ont 3 minutes, ouais, donc. Après, les 3 minutes, elles sont longues. C'est vrai que dès qu'on est dans le jeu en train de conduire, ça passe vite, les 3 minutes. Mais je vois que Titi a commencé à lancer, Ouais. donc. On a un commentaire de Christo qui dit bonsoir à tous, salut les pilotes, salutations les commentateurs, salut le public, comment allez-vous? Et là, je dirais pas le reste. Boule au nord, allez le sud qui nous dit. Ah oui, tout à fait, ouais. Ouais, c'est ça, hein? C'est un Ou alors sudiste, oui, ouais, je il sais dit pas bien sud, lire, peut-être. mais. Non, non, je sais pas. Ouais. Et il nous dit on entend quelqu'un en écho, David sort. Bon, si je suis en écho, je vais essayer de. Non, mais moi aussi je suis Parler un peu. écho, hein. Moi c'est pareil. J'essaie de parler peu pour pas. Et voilà, les pilotes sont partis pour tour de formation. Donc Ah, je suis n'hésite pas. pas à faire triangle, Alex, comme ça tu l'as plus. Ah oui, à chaque fois j'oublie le fameux triangle. Ouais. Ouh, ça se frite déjà entre atomes. Qu'est-ce qui se passe, mais attends. Eh, C'est c'est le pas. départ, il n'y a pas eu de tour de formation là. Ah, ils ont pas fait de Oh tour de là formation. là, ouais, Mais mais moi je non, savais non, pas, moi non, non. j'attendais. Oh, mais messieurs, prévenez-nous au moins, faites Oui. quelque chose de correct. Oh non, déjà ils se frittent dès le départ. Et tout le monde Oui, s'est il fait s'en fout. avoir. Atomic Weather part quatrième, il se retrouve premier. Et oui. Oh là là. Mais je pense, je Mais sais pas même nous, on si s'est fait avoir.
Je sais pas si. Terribles images, les amis, terribles Ah images. ouais, et on voit là d'ailleurs FRT Mika, Chris Jovial, on les voit complètement à la dérive, à la traîne derrière. Ils Mais devaient chez moi, s'atteindre au tour de oui, je chauffe et pense, rien. oui. Oh là 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 là, même nous on se fait avoir. Ça m'a fait la même à au Mexique. Ah là, la tête à queue de Yoda. Bon, alors on sait même plus par où Oui, reprendre. On moi va essayer de leur dire, mais je Atomic Weather qui suis. fait Oui, je suis l'extérieur sur devant, moi. Weedy. Ils sont côte à côte. Et Atomic Weather a pris le dessus. Weedy deuxième, Matt troisième, Ashiroku quatrième et Lordium cinquième. Ah, je crois qu'il a un souci, Lordium, parce qu'il s'est arrêté. Oh là là, il y en a partout sur la piste, on sait plus Oui. qui, où, qui est qui. On Et est Ashiro. perdu. Et Ashiro qui va sur une stratégie décalée. Alors, changement de position, on a Ashiroku. Bon, voililà, il vient de perdre une place à l'instant, mais il a remonté 3 places. Matt en a perdu une, Lordium 2, Weedy par 2, il finit 2. Enfin, il est toujours deuxième. Atomic Weather, leader, a pris 3 places. Koffer qui s'arrête au stand. On va Ouais. essayer de se remettre. Alors, Ah oui, là pardon, je vraiment, suis. là, on Je suis est tous resté les bouche. trois. Voilà, Ah ouais, là. je suis resté bouche bée, mais au bout d'un moment, je savais pas quoi faire. On était tranquille, on disait bon, Oui. allez, on se retrouve. C'est ça, hein? Atomic, il a gagné 3 positions, Lordium, il en a perdu 2, et le grand perdant, c'est Yoda avec 5 positions, et David avec 2 positions. Après, il y a Ashiroku qui part avec une stratégie, entre guillemets, décalée. Enfin, il n'est pas le seul. Ashiroku, Netball, Chris Jovial et Koffer, ils partent tous en médium. Le reste part en rouge, en soft. Après, je pense que partir en soft, c'est mieux vu que pendant les qualifs, ils n'ont pas usé de gomme rouge. Ouais. Peut-être c'est la bonne idée. Après, à voir. Alors Faudra. les écarts sont en train d'être creusés hein, entre les deux premiers, Weezer et Weedy, par rapport à Lordium et Matt. Voilà, comme je vous ai dit, c'est un circuit très technique dans le sens où il est facile de perdre une dixième parce qu'il y a beaucoup de freinage, des réaccélérations, des retombées. Enfin, surtout le dernier virage où voilà, tu peux gagner 4 dixièmes ou perdre 3 dixièmes. Et on a une belle bagarre entre Obi-Wan et Ashiroku. Je suis sur dessus. Oui. Ah, les deux ils sont amoureux et ils se lâchent plus. Ils se lâchent pas. F1, F2, ils se lâchent plus. Obi-Wan qui passe devant Shiroku. Ouais, Chris Jovial, 3 secondes de pénalité pour avertissement répété au bout de 3 tours. Et alors que le DRS vient d'être activé, troisième tour, toujours il s'active. Nordium qui réalise le meilleur temps en course. Et Widdy qui se rapproche, Widdy qui tente de se décaler. Non, 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 je crois il se ravise. il se ravise, il va attendre la ligne droite tranquillement. Il perturbe juste Atomic. Ouais, mais du coup, Il se montre. l'ordium derrière est en train de revenir. Ah, ça va Ouais. être compliqué. À la ligne droite, à la chicane, ça. Bagarre à 3 là, ouais. Widdy, ça y est, là, il va pouvoir déboîter le DRS en plus, pas de soucis. Voilà, ça passe. Lordium, est-ce que. Non, il était trop loin derrière. C'est passé. Attention au freinage, du coup, là, quand même. Voilà, c'est passé. Atomic Weather maintenant est sous pression par Lordium. Après, Atomic et. Voilà, en fait, les 4 premiers pilotes, on connaît leur niveau. Voilà. Ils ont déjà mis 4 secondes au 5e. Disons que c'est deux courses qui se disputent. Ouh, Ça ça sort Atomic sort. Weather! Il s'est Ouh, il loupé le sort. freinage et il Oui. se sort, il laisse passer les deux McLaren, les deux Mercedes, pardon. Lordium et Matt en profitent. Après, voilà, c'est l'avantage du circuit du Castellet, c'est que l'erreur est acceptable. Oui, Et du coup, oui, tout n'arrive à pas fait, la oui. voiture. Et du coup, lui dit qu'il se met en sécurité en se mettant hors du DRS. Et oui, 1 seconde 4 d'avance. Alors que Matt est collé à son coéquipier Lordium. Alors, DRS activé. les Mercedes elles peuvent faire une stratégie d'équipe, c'est-à-dire se donner le DRS à tour de rôle pour essayer d'être plus rapide en piste. Et Matt qui Et dépasse alors l'ordium. Matt, voilà, qui vient de passer à l'instant. Alors est-ce Voilà. qu'ils se sont entendus entre eux justement, Voilà, stratégie d'équipe, à mettre DRS un tour après l'autre? ouais, c'est ça, c'est pour aller plus vite pour pouvoir remonter sur Vidi tranquillement Ouais, c'est et sûr. mettre un écart sur Atomic. S'ils s'entendent, si entre eux, avant le départ, ils se sont bien parlé, il n'y a pas de Voilà, souci là-dessus, hein. on le verra à la prochaine ligne droite. Voilà, ouais. Si Matt Après, y défend ou pas. il faut que Lordium garde le rythme parce que Matt est en train de s'échapper là. Ouais, mais avec Là, tout il est sous la ça, seconde. avec tout ça, lui dit, il creuse l'écart, il prend 2 secondes, donc. Ouais.
Et on le voit que l'ordium, voilà, était trop loin de Matt. Trop loin. Après, la ligne droite est finie vite. Hein. Et après, il y a un virage tiré la chicane. À la chicane, c'est peut-être mieux d'être à l'extérieur qu'à l'intérieur. Bon, voilà, ça reste, c'est plaisant ce circuit, est très technique. Après, c'est dommage qu'il n'y ait pas de l'herbe et qu'il y ait beaucoup de dégagement comme ça. Ça... Et ouais, l'ordium est en train de lâcher. Ou alors, est-ce qu'il fait les affaires justement de Matt en laissant en creusant l'écart? Non, je pense pas que ce soit volontaire. Embêter Atomic Weather. Ouais, il fait un effet bouchon derrière pour qu'il ralentisse peut-être. Non, Je sais pas. Atomic Weather là, est-ce qu'il va pouvoir tenter avec le DRS à moins de 3 dixièmes? Ça se rapproche, ça va se déboîter côté gauche et ça passe. Pas de soucis. Ah, beaucoup de tracouge. Mika qui est en bagarre avec Netball qui se déboîte aussi à la ligne droite et ça passe tranquillement. Le DRS, c'est passé pour Mika. 3 secondes de pénalité pour Yoda. Et Yoda qui est en bagarre justement avec Ayrton. Pilote Ferrari contre un pilote Renault. Non, As, pardon. Ah, Yoda qui est le grand perdant hein, au départ, hein. Il me semble, c'est bien ça. Yoda, il a perdu. Et c'est ça, il a perdu 5 places. 5 places, oui. Alors, est-ce qu'il savait qu'il y avait un tour, qu'il n'y avait pas de tour de formation? Et Yoda, voilà, ça passe devant Ayrton. Alors que les écarts se creusent très très vite sur ce circuit. Alors, pour nos amis lyonnais, ça sent pas bon. Ah, toi, t'es en train de regarder le match en même temps. C'est pour ça qu'il est, il est plus là, ou d'un moment. Je suis avec vous, je fais comme Flo, je suis multitâche, on va dire. Multitâche. Voilà. Par contre, Luigi, ils ont laissé Luigi dans un fauteuil parce qu'il est à 2 secondes de maths. Ah, il a perdu un peu de temps par rapport à tout à l'heure. Ah, c'est ça. Et il a mis 3 secondes à l'ordium. Voilà, entre Lordium et Atomic Weather, ça se bataille. Atomic qui vient de prendre le meilleur sur Lordium. Ouais, grâce au DRS. Les deux, ils ont plus ou moins le même rythme. Donc ça se joue au DRS, soit l'usine oui, voilà. Ou au stand. Voilà. Et pour une fois, ça fait plaisir. Bon, le circuit s'y prête. Pas d'abandon dès le départ. Au bout de 6 tours, toujours pas d'abandon. Voilà, il faut s'appeler David à pas abandonner sur un cycle. Là, je veux dire, pas d'accrochage entre eux. Bon, en même temps, il aurait pu avoir des accrochages justement parce qu'on a bien vu lors du départ que des voitures étaient restées plantées sur la piste, sur leur grille de départ, sur leur position. Alors que ils pensaient peut-être qu'il y allait y avoir le tour de formation et rien du tout. Ouais. Donc il aurait pu avoir la casse, mais non. Après, autant pas prendre de risques, il y a des dégagements, voilà. Ouais. Si tu sens qu'il va avoir un carambolage, tu vas un peu large. Et... Ouais. Atomic Weather. Oui, qui... l'intérieur. Il essaie de défendre sur l'extérieur, mais ça peut pas. Il a laissé la porte ouverte et l'ordure a profité. Voilà, c'est mieux de ne pas perdre du temps dans les batailles que de se batailler en sachant qu'on aura le DRS après, voilà. Ouais. Et on voit l'Ordium qui est en train de recharger sa batterie parce que les feux rouges qui clignotent. Et ça passe pour... Non, attention, Atomic Weather sur l'intérieur, il va se retrouver à l'extérieur. Le côte à côte et ça passe pour Atomic Weather. L'Ordium à l'intérieur, il a la mauvaise trajectoire, même sans DRS ça passe. Même sans DRS parce qu'à la réaccélération, il ressort moins vite. Matt, 3 secondes de pénalité, attention pour Matt, avertissement répété. Oui. C'est un gros coup dur là. Matt avec 3 secondes, il se retrouve au 3ème, il n'est plus, voire même 4ème, il n'est plus second pour l'instant. Alors, on joue en mode sévère, il faut faire attention à ça. C'est ça. Alors que les écarts sont déjà creusés, à part la bagarre entre Atomic Weather et l'Ordium, on retrouve 3 secondes. Voilà, les écarts sont creusés entre les pilotes. Et voilà. Ouais. Le circuit. Après, c'est... Les stratégies rentrent en jeu maintenant. Voilà c'est ça. Disons que c'est un peu le petit défaut de la Formule 1. Mais au bout de 7 tours quand même, c'est très très rapide.
Ah oui, ça va vite, hein. Ouais. Non, comme je t'ai dit, Flo, c'est un circuit. Pour l'avoir fait, c'est un circuit hyper, hyper technique. Tu peux perdre une demi-seconde à un virage, tu peux. Voilà, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. N'hésite pas, Alex, à passer à un mode caméra intérieure, enfin un mode on-board sur un des Yes. deux pilotes. Et quand il se fait doubler, tu fais R2 pour passer sur l'autre pilote. Ça, on a une belle, belle bagarre. Là, on les voit justement entre Lordium et Atomic Weather. Ils ne se lâchent pas. Les pneus doivent s'user à vitesse grand V, là. Ouais, il me semble, ouais. Alors, je suis dans la capacité de vous donner tous les noms des virages du circuit du Cosmo. Ah! Ça y est, il a trouvé. Au bout d'une Ouais. heure de recherche, il a Oh trouvé sur oui. Google comment ça fonctionnait. Ah, il peut pas avoir Voilà. les yeux partout, hein, entre le match de foot, F1 Ouais. et Google, hein. Oh là là. Alors. Alors, Luigi, qui va arriver au virage de l'hôtel, ensuite prendre celui du camp. Il sort de Sainte-Baume et il va engager la ligne droite du Mistral. Et après la ligne droite du Mistral, il va attaquer la chicane du Nord. Nord, on est dans le sud. Oui, mais voilà. Vu Direction que le Nord. Christo il a fait un commentaire, forcément il Voilà. fallait que ça apparaisse. Voilà. Donc, visite de la chicane du Nord. Et ensuite, il prend le virage à l'aveugle, le virage du Cygne. Signe. Ah, il se fera. Il sera à 343 km/h quand même. Hop, 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 ça va vite. Et alors que Lordium s'est bien défendu par rapport à Atomic Weather, mais là, il va pas pouvoir défendre trop longtemps. Il est sur l'intérieur. Atomic Weather, il a bonne trajectoire. Ça passe. Et en plus, ça, c'est un virage à fond, à l'aveugle. C'est ça, le virage du signe et lui dit qu'il passe le bosset, qui engage. Voilà, ce sont des noms un peu techniques. Après, là, il arrive dans le virage du lac. Et ensuite, le dernier virage, le virage du pont. Voilà. Merci David. Ouais. C'était Laurent Dupin sur les chaînes de Non. live. Des amateurs live du Sim Racing. Là. Me faire à toutes. Ah oui, je pense que là. D'ailleurs, pour toi David, j'ai un mari, David s'est fait cramer, il regarde le match. Et ouais. Attends, je suis très professionnel quand même. Ouais, il a les yeux partout, David. Il a les yeux partout, sur la piste, sur le téléphone, sur le. Partout, il a. Allez, c'est si vous pouvez vivre le live. Et alors qu'Atomic Weather, ça y est, a creusé un petit écart par Oui. rapport à l'Ordium. Pas grand chose, mais il est pas loin de passer sous la seconde. Qui. Et Oui. Luigi qui met une seconde à Matt en plus, donc du coup Luigi, Ouais. Matt se retrouve à 3 secondes de Luigi. Techniquement, ce sont des pilotes qui se retrouvent, qui ont le même rythme. Après, voilà, il y a des petits tips que Luigi maîtrise peut-être mieux que Matt. Donc ça se joue sur le setup parce que ça peut sembler être un circuit, il faut beaucoup de. Enfin, faut privilégier les lignes droites, mais faut aussi privilégier de l'appui. Et donc, en fonction du setup, on peut perdre plus ou moins de temps, en fait. Donc, il est comme ça, mais il a l'air prudent, mais il est très technique, ce chef. C'est bon. Il y a Atomic Weather qui a pris 3 secondes de pénalité. Aïe. Après, je crois que l'Ordium, il veut régler son piste. Pas avec les pénalités. Par contre, ce qui est cool, c'est Robby1 qui se maintient à 4 Et c'est secondes. ça, ouais. Il est pas loin Et derrière, hein. voilà. Il tient le rythme des. Après, je pense que c'est peut-être le carambolage du début de. Du début de course, mais sinon il a le rythme à Lordium et à Atomic. On a Baty qui nous dit Atomic Weather, grosse montée en puissance. Et oui, Ouais. depuis le début du championnat, on le voit là. Au fur et à mesure, il est bien, il est constant et il monte de niveau. Après, à la première course, il était un peu timide, mais à partir de l'Espagne, il a lâché les chevaux. Comme toi, David. On le Ah voit. non, moi je Ah si, lâche tu les t'es amis. amélioré. Ah, Le tu budget, t'es amélioré. le but. J'ai cramé le budget de l'écurie. Ah oui, c'est vrai, oui. On ne veut pas renouveler mon contrat, donc je suis pas sûr de faire les prochaines courses. Je vais trouver un nouveau sponsor. Tiens, Flo, si tu cherches une voiture sponsorisée, Ouais. il y a As qui est preneur.
Pour toi ou dans la réalité vraiment? Non, pour moi, enfin, j'ai Ah cassé la ouais. voiture deux fois et. Ouais, ben c'est pas comme ça que tu vas attirer des sponsors. Hein. Tu leur dis, bon, mon CV, j'ai cassé deux fois la voiture. Et l'ordure ouais, qui attaque sur Ouais. l'intérieur, Au c'est virage du passé. signe et dans le bossé, est-ce que Atomic va attaquer dans le bossé? Non. Mais il va attendre gentiment le DRS. Et Alors, n'empêche, il est bien revenu, pas loin de la seconde d'écart. Il s'est maintenu pour pouvoir activer le DRS deux, trois fois et se rapprocher tout doucement. Et maintenant, il a Antoine dû passer à Atomic Weather. Roby, il a dû faire une petite erreur, il a pris une seconde dans un tour. Alors, Roby, Roby, ah oui. Flo, toi qui es un observateur, disons, de moi de la F1, tu préférais une F1 sans DRS ou avec DRS? Ouais, ça dépend après par quoi tu le remplaces parce que sans DRS t'as plus de bagarre non plus. T'as. Y a plus de. Oh L'Ordiome qui est parti à l'Ordiome la qui est faute. parti, qui est sorti large. Ouais, Oh, il c'est s'est loupé. Atomic qui. Il a évité Atomic en fait. Dans le truc, il a évité Non, non, Atomic. pas du tout, pas du tout. Il y a Non, une autre non. bagarre. Non, je crois qu'Atomic est à l'intérieur. Il est à Non, non, l'intérieur, Atomic. Ah, ils ok, c'est étaient bon. un Ouais, derrière c'est. l'autre. Il n'y a pas de souci. Ils étaient un derrière l'autre et c'est l'ordium qui s'est loupé au freinage. Ah, et tout ça font les affaires de Yoda et Obi-Wan. Et pour le coup, ça se rapproche. Et ouais, du coup, Yoda se rapproche de Obi-Wan sous la seconde. Alors oui, je disais le DRS, par quoi tu le remplaces? Parce que sans DRS, t'auras toujours pas de dépassement, quoi qu'il arrive. Puisque tu en as pas en vrai dans les virages, donc du coup, le DRS servait à dépasser dans les lignes droites. Mais voilà, si. Voilà Que tu le parce mettes, que que tu le mettes pas, ça sert à quoi en fait? voilà mais en ligne droite t'as l'aspiration et si en plus de l'aspiration t'as la batterie Ouais. ça permet de faire des freinages vraiment au dernier moment tu vois. Ce qui me gêne avec le DRS c'est les dépassements en milieu de ligne droite. Ben oui, en ligne droite, Alors c'est pas normal. que sans le DRS tu vas avoir un dépassement au freinage. C'est vraiment au frein que le pilote, c'est vraiment le talent du pilote que le dépassement va se faire. C'est ça. Mais pour ça, il faut que les voitures soient, voilà, plus compétitrices. Enfin, comment dire? Qu'elles soient plus ou moins égales, toutes les voitures soient plus ou moins égales. Parce que quand tu vois Mercedes et je sais pas, je prends As parce que tu es chez As, c'est pas du tout le même rythme. Tu peux pas rivaliser, quoi. Et Yoda qui prend le meilleur sur Obi-Wan. Après pour revenir sur ce que tu disais, on l'a vu au dernier Grand Prix à Abu Dhabi. On a vu Bottas et d'autres pilotes rester derrière une Renault quand il n'y avait pas le DRS. Donc c'était vraiment aux pilotes à Bottas d'aller chercher les freins, d'aller prendre un risque pour dépasser le pilote. C'est, voilà. Titi qui entre au stand à l'instant même. Alors, à partir de Netball, ils ont perdu, je crois, 25 secondes. 25 secondes. Et oui, Ouais. c'est y a eu c'est à cause de ce départ où vraiment certains sont restés plantés sur la piste. Après, David, il a déjà fait son arrêt au stand, vu qu'il a un tour sur sa gomme. Donc, Titi rechausse les softs. Oui. C'est bizarre quand même qu'il rechauffe des softs. Non, pas tant que ça. Après, vu qu'ils n'ont pas usé leur gomme en qualif, ils peuvent partir sur une stratégie rouge-jaune Ah oui, ou c'est vrai, les qualifs, rouge-rouge-jaune. ils étaient Voilà ouais, sous la pluie, ça. ouais, c'est vrai. Ouais. Mais le truc, c'est que en rouge, faut vraiment avoir un rythme de. Voilà, faut bombarder à tous les tours. Et Matt qui s'arrête au stand Au aussi. stand, il y a Matt, Robiwan aussi. Hein. Obi-Wan. Ouais. Attention de pas se gêner au stand. Matt est ressorti d'ailleurs justement avec des softs. Obi-Wan lui rentre. McLaren, tac. Ah, Il c'est juste chausse les softs aussi. Matt il reçoit des softs. Ouais. Peut-être il peut faire un tour 3 secondes plus vite pour remonter l'écart avec Luigi. Luigi encore en piste avec des pneus usés. Ouais, tenter Peut-être l'undercut, tu veux on le dire. verra. Ouais. Et la seule solution pour faire l'undercut, c'est de prendre les pneus softs. Ouais. C'est la seule solution. Après, voilà. À voir si Woody lui va rentrer au stand immédiatement. Je vous tiens au courant. Alors, pas lui dire, on sait que c'est un pilote qui conserve bien sa gomme. Donc, voilà, à voir.
Yoda s'est fortement rapproché de l'ordure, Ah du oui, coup. je Aïtan suis dessus, ouais. Ouais, bien vu. Si j'avais vu les écarts, là. Voilà, est-ce que perdre du temps en piste derrière l'Ordium? Parce que l'Ordium, s'il perd du temps, ça, il a usé sa gomme avec sa bagarre avec Ah oui, Atomique. c'est clair. Donc, Non, Widi ne rentre voilà. pas au stand à ce tour-ci. Il continue. Ah, ça peut être une opportunité pour Matt. Après, soit il va pousser à 16 tours. Non, pardon, soit il va pousser pour mettre des médiums. Parce Après, la qu'après. chance que Widi a par rapport à Matt, c'est que même en ressortant des stands, Matt ne peut pas enclencher le DRS. Donc, Widi ne perdra pas de temps là-dessus. Ouais. Après, en On même voit temps, Widi aussi, lui, il n'a Yoda à pas le DRS. l'extérieur. Est-ce que ça va passer pour Yoda? Oui, c'est passé C'est devant passé l'ordure. deux Ferrari devant deux Mercedes. Chose qui n'est pas coutume. C'est très rare. Attention, il n'a pas dit son dernier mot, l'Ordium. Il se Alors, montre. du coup, là, Matt, il a 22 secondes de UD. Ça peut-être le faire. Surtout, Matt est revenu à 1 seconde 2 alors qu'il en avait 3 secondes 2 de retard sur l'Ordium et Yoda. Après, ils ont mis la gomme usée à voir comment il va gérer le trafic. Ouais. Et ça y est, la Ouais. Matt est repassée sous la seconde par rapport à l'Ordium. Donc il a pu enclencher le DRS. L'Ordium, oui, il vient de dépasser Yoda, l'Ordium. Alors, l'Ordium à l'extérieur dans la chicane du nord. Pas mal. Et Et Yoda qui Yoda. repasse. Oh, qui Ah revient non. à l'abandon. Ah. J'ai pas trop vu Le pilote pour. corse qui abandonne de la team Corsica. Vati doit être un peu dégoûté de son côté. On n'a pas trop suivi, c'est clair. Parce qu'il n'y avait pas énormément de bagarres non plus. Oh là là, quelle Ouh là bataille là. entre ces trois, l'Ordium, Il est Yoda, pris. Matt. Il est prêt en sandwich. La Ferrari est prêt en sandwich entre les deux Mercedes. Hein. Ouais. Mais l'Ordium, c'est celui qui a les pneus les plus usés. Quoique non, il y a Yoda aussi. Mais l'Ordium, lui, a attaqué Matt plusieurs tours. Non, Atomic Weather, pardon, plusieurs tours. Donc, du coup, à mon avis, ses pneus sont un peu. Widi, on l'avait pas vu, mais Widi, il Ouais, du a coup, perdu la ah, stratégie face non. à Matt. Bien joué, Matt. Non. Voilà, Matt, il a que 2 tours sur sa gomme. Attention, il y a un problème avec. Ah oui, Luigi, il est sur une autre stratégie. Et là, Matt, il doit bombarder parce que Luigi sort un médium et Luigi, il est sur une autre Ouais, et stratégie. puis l'Ordium, il ralentit un peu depuis tout Voilà, à c'est l'heure, on ça, le c'est ça, disait, c'est mais. ça. Ah, Il a du attention, mal à l'Ordium, là, il est pas l'ordium, bien. Il est voilà. vraiment au bout de ses pneus. Oui. 3 secondes L'ordium, de il a peine. pénalité en plus. L'Ordium prend 3 secondes de pénalité et. Ah, Ah, oh, il attention ralentit de ne pas Widi. s'accrocher! Non, ça va. Ouais. Ah, Alors que Widi, dommage. lui, il a passé les médiums, ouais, comme tu disais. C'est Et ça. Widi repasse directement second. L'ordium, il allait jouer peut-être le soldat Bottas pour Hamilton. Pour bloquer les Ferrari. Ah, l'ordium qui sort Et là. ouais, mais l'Ordium Il du a du coup n'a mal à pas du l'ordium. tout Hein. aidé Widi, Non. il a Oui, pardon voilà. Matt, il ne l'a pas du tout aidé. Voilà, c'est ça, il s'est loupé un peu Voilà. dans le virage. Et voilà, il s'est approché aux Ferrari qui sont passés. Et du coup, à voir ce que Matty va faire. Bon, Parce que là, l'Ordium il. a quand même réussi à s'intercaler entre les deux Ferrari quand même pour Mais je pense qu'il va éviter que les avoir. deux Ferrari puissent rattraper Matt. Mais je pense qu'il va avoir du mal, là, quand même, l'ordium, avec les pneus. Après, je pense que Matt il boxe pas avec Yoda, vu que Yoda il a 14 sous sa gomme. Et Oui. l'ordium se planche. Je crois que Yoda va le suivre aussi. Ouais. Ouais, les deux passent au stand. Ça y est, Matt lui dit donc en tête, Du coup, sachant c'est ça. un était un soft et l'autre un médium. Avoir la capacité de Matt à mettre un écart à Udi. Medium pour l'Ordium aussi. Parce que je Atomic suis. Weather qui réalise le meilleur temps de course, une 35,7. De ce que j'ai vu, apparemment, la Rostand prend environ 22 secondes. Ok. Donc, du coup, il faut que Matt il creuse l'écart. Parce que je pense qu'il va encore aligner des softs et terminer avec des jaunes, je pense. Après, ce qui est bien avec Luigi, c'est qu'il se permet de mettre les rouges en fin de course pour probablement aller chercher le meilleur tour. Et oui, voilà, ouais. Il joue pas toutes ses cartes, on va dire. Et Robbie-1 qui vient de passer justement son coéquipier Ayrton de chez McLaren.
Ah, Team Non, Internet, oui. non, C'est de HAS. As. As, ah oui, oula, moi je regardais par rapport à la couleur et pas par rapport à. Ok, putain, ça Ah se mais, voit orange et jaune. Attends, il roule à l'économie, c'est compliqué dans l'équipe, voilà. Ils ont des problèmes de budget chez C'est As pour compliqué l'instant. chez As. Et Matt, donc comme on le disait, mais il creuse pas tant d'écart que ça par rapport à Widim. Si ça y est, là, d'un coup, là, ça vient d'augmenter d'une demi-seconde. Oui, non, non, il a commencé le processus de distancer Vidi, voilà. Après, on connaît Matt. Ouais, qui vient de réaliser justement le meilleur temps, 1:35.632. Widi, deuxième, Atomic Weather, troisième. Ashiroku, quatrième, mine de rien, toujours avec les pneus médiums et 15 tours. Oh, les drapeaux jaunes, ils sont assez trompeurs sur ces circuits parce que quand un pilote il sort là, ça met le drapeau jaune en vérité, il n'y a rien. Oui, tu sais pas où exactement qui c'est et à quel endroit exactement. Donc, Ayrton qui sort des stands avec des médiums aussi. Alors que là, les écarts sont creusés entre tous les Ouais, pilotes. Ça ils y sont est, creusés, la ouais. valse des arrêts au stand vient d'être terminée et il n'y a plus de bagarre directe. Alors, il y a au stand, il y a ceux qui sont pas arrêtés, c'est Ashiroku, Netball et Gopher. C'est les trois seuls qui sont pas arrêtés au stand encore. Confer, il est un médium donc il. Ah, j'avais pas vu. Ouais. Pareil pour Netball aussi. Et Ashiroku, Là, pareil. ouais, les deux sont sur la même stratégie. Après, Titi, c'est Titi, j'ai pas trop compris la Alors, est-ce que Titi, lui, s'entraîne pas plutôt pour le F2 la semaine prochaine? strat. Oh, attention, Ashiroku qui se loupe totalement dans le freinage. Widdy qui vient de réaliser le meilleur temps en 1:35 300. Ah, matérialise pas une bonne opération, Non, il non, il réalise pas perd une du bonne temps. opération, ouais, c'est plus au niveau du rythme pur. Alors, ce que Matt, non, je regardais, non, il n'y a pas de trafic hein, pourtant pour Matt, donc je vois pas pourquoi il n'y arriverait pas par rapport à Widdy alors qu'il y a les softs. Au niveau du rythme, je pense. Alors, c'est peut-être Pirelli qui ont sorti mauvais train Ouais. de pneus. J'ai entendu ça pour le dernier Grand Prix à Abu Dhabi là. Comme Erreur quoi, Mercedes. les médiums allaient plus vite que les softs. Enfin, allaient Ouais. plus vite. Étaient mieux, je veux dire, sur la piste que les softs. Les pneus Pirelli, c'est vrai que cette année c'est compliqué à comprendre la gomme. Ouais, mais qu'ils ouvrent la concurrence à d'autres pneumatiques. Non, ils ont re-signé un contrat. Hein. Eh oui, Après, ils ils ont l'ont signé, c'est re-signé, sûr, mais ouais. bon. C'est ça que j'aurais aimé. J'aurais peut-être aimé aussi dans la F1. Il y a Michelin, il y a Pirelli, tu vois. Bien sûr, Ça, Dunlop. pour mettre un peu plus de piment dans. Bien sûr, là, ça aiderait. Tu enlèves le DRS, tu mets les pneus, peut-être que ça peut changer quelque chose aussi. Voilà, après, aussi, moi, étudier la gomme parce que les pilotes, les écuries, ils seront pas des stratégies fixes en fait. Du coup, il y aura plus de place au spectacle, à la surprise. Voilà, c'est. Après, pour nous, Alors c'est que. facile de dire ça. Mais. Ouais, voilà, c'est sûr. Et Woody vient d'encore améliorer le meilleur temps en course, 1:34.963. Et Voilà. surtout, il s'est rapproché à 1:03. Il est très très bientôt. Ouais, on voit Matt. 3 secondes de pénalité encore, Matt. Et Ouais. je crois qu'il est déjà 6. Ouais. Après, je crois que Il la gomme cumule, de hein, ouais. Matt, Elle est Voilà, entamée là. les softs, ils durent pas longtemps. Non, vraiment pas, parce que 6 tours déjà, tu vois, c'est terminé apparemment. Ben, après, bon, c'est pas le même rythme entre Matt et d'autres pilotes qui chausseront les softs. Il tiendra plus longtemps, moins longtemps Matt par rapport à certains. Et du coup, Matt est sous pression de Willy. Il revient fort, Widi, quand même. Après, vous parlez des pneus, vous avez vu les nouvelles F1 pour le 2021? Est-ce que vous avez vu Ouais, ouais, les. ouais. J'ai vu ça, mais alors, bon, moi j'attends de voir. Après,
Ouais, comme Flo il a dit, bon, en principe, les nouvelles versions de voitures, elles devaient tourner quoi, 3 secondes moins vite que les anciennes. Au final, on se retrouve dans les mêmes chronos. Les voitures se suivent pas. Voilà, sur le papier, c'est beau. Et après, c'est Il faut en voir réalité, en c'est pas réel, vrai. ouais. Mais après, en principe, si tout ce qui est dit fonctionne, on peut s'attendre à des trucs intéressants. Parce qu'en plus, ça redistribue les cartes dans le sens où, par exemple, Ferrari ou Mercedes, ils peuvent se louper dans la conception de la voiture, mais bon, ça va pas arriver. Ouais. Oui. Et après, le truc, c'est que même les budgets plafonnés, ça n'a pas trop de sens parce que les budgets plafonnés, c'est à partir de 2021, je crois. Donc, jusqu'à maintenant, les écuries, elles peuvent dépenser des gros budgets, en fait, pour la recherche. Oui, Donc, au final, c'est vrai. c'est pas si équitable L'équité que ça. de chaque équipe, ouais, n'est pas prise en compte là, dans le championnat. Ah, putain, Jules qui m'invite d'arrêter le pilotage et de devenir ingénieur de piste. Ça fait un petit moment qu'il a émis, ouais. Ah là, Ah mais oui, exact, oui. il Je a viens pris de le voir, moi. goût au... il a pris goût avec les trucs du Canada. En plus, il fait une super course et... Maintenant, je vais prendre ma Oh. retraite. Ben, ça y Alors, on a est, t'as Thomas pu. Daniel qui nous demande, donc Alex, je vais te laisser, qui nous dit bonsoir. Petit débrief du début de course, s'il vous plaît. Si Alex Ah, tu as un veut t'y début de coller. course. Un Alors, pour débrief nous, de ce qui s'est un passé début de course. début de course, ben, un peu chaotique, je pense, pour nous et pour les Ouais. pilotes, parce que normalement, ils devaient avoir un tour de formation et les pilotes étaient surpris. Après, il y a eu Yoda qui a perdu, je crois, 4 places, je crois, il me semble. Yoda, 5 oui, places. 5 5 places, qui perd vachement gros. Atomic Après, Weather en avait remonté 5, lui. 5, oui, par contre, oui. Après, de belles bagarres devant entre Matt et Willy, du moins. Et après, non, il n'y a pas eu de gros cartons au niveau Ah, j'ai mangé une dent, ça y est. J'ai mangé le nom. Non. Manger une dame. Non, j'ai mangé le nom. Ah, Le le mot que. nom! Oh J'ai oui, entendu, j'ai une dent, mangé non. une Putain, si j'ai les dents qui tombent. Oh purée! T'as pas un freestyle là. Oui, Ouais! voilà, ouais. Non, là, les écarts sont faits, de toute façon, là, Bah, sauf on le entre voit bien. Ashoku et Obi-Wan, qui ne se lâche plus? C'est l'amour fou. Ah, je les avais Et pas vus c'est les deux. Juliette et Roméo. Roméo et Juliette, c'est le Titanic, c'est. Et donc Thomas Daniel nous demande comment Atomic se retrouve au troisième. Donc Atomic, il était parti 6e, 5e, vu qu'il a remonté 5 places, je crois qu'il est parti Ouais, c'est ça, 5e. c'est ça. Oui. Il s'est retrouvé premier. Un bagarre après avec Widi et Matt derrière lui. Et ensuite, voilà, il a pu tenir le rythme jusqu'aux arrêts au stand il y a quoi, il y a 5-6 tours. Et là, ça s'est décanté parce qu'il est parti sur une stratégie différente. Et puis c'est pas le même rythme entre Matt et Woody. C'est, on va dire, Atomic Weather est le plus fort en dehors de Matt et Woody. Bon, Voilà. si tu veux, Parce que là, Atomic t'as deux c'est. extraterrestres devant, mais voilà, Woody derrière s'en sort très très bien. Atomic c'est la Matt, Red pardon, Bull ou Atomic. la McLaren de la F1. Ah non, mais très Et. belle course d'Atomic Weather sinon. Ah oui, ah bah oui. Hein. Ah, et l'Ordion qui refait le gap entre Ouais. Hashi et Obi-Wan. Après, en même temps, ils ont. Hashiroku, il a 20 tours sur ses hards. Et on voit les trajectoires de l'Ordion complètement différentes de celles de Obi-Wan et Hashiroku. Donc, ça joue beaucoup aussi. Donc. Attention, l'Ordion. L'ordre qui est bien revenu. Ouais. Mais une grosse pression sur Obi-Wan. Mais attention, parce que Obi-Wan lui aussi va pouvoir avoir le DRS sur Ashiroku. Il On a se une meilleure retrouve. Eh, sortie. Widi, 3 secondes de pénalité. Attention. Il a une meilleure sortie. Est-ce qu'il va tenter maintenant? Ouais. Oh, attention, le freinage tardif pour Ouais. l'Ordium. C'est passé, mais c'était un peu Ouais, c'était kamikaze. Mais chaud. c'est passé. Ouais. C'est passé. Sans souci, sans problème. Pour Bah, il l'Ordium arrive très devant vite. Obi-Wan. Ashiroku qui a la Ashiroku. gomme qui est morte parce qu'il bloque à tous les Et virages. ouais, il vient de Ouais. prendre 3 secondes de pénalité en plus de ça. Ouais, ça, le mode sévère, il. Il pardonne pas. Ouais, il pardonne pas. Mais Mais l'Ordium après, qui prend. c'est tout aussi intéressant à partir du moment où les Ouais, pilotes jouent le jeu. c'est ça, Voilà. c'est.
Et ça rééquilibre les cartes par rapport à certains qui en profitent des limites du jeu. Et, c'est ça. Parce que là, tout le monde est sur un même pied d'égalité. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et au moins, le moins des cas, il est puni. Et... Voilà. En plus, le circuit s'y prête bien parce que tu peux facilement couper sur ce circuit. Tu sais, il n'y a pas de l'herbe, il n'y a pas. Tu... Ah, l'ordium qui sera dedans, le beau, c'est. Alors, Thomas qui nous demande, l'ordium et Yoda n'ont pas de rythme alors parce que c'est. Alors, attends. Parce que c'est devant l'atomique, normalement, l'ordium et Yoda. Ouais, l'ordium et Yoda, d'accord, ok, il dit que normalement c'est devant atomique. Mais sauf que atomique, lui, est parti sur une stratégie décalée par rapport à justement l'ordium et Yoda qui, eux, ont chaussé les médiums. Alors que. Atomic lui a chaussé les softs et en a profité justement pour essayer de creuser l'écart au maximum parce qu'ils sont rentrés à deux tours d'intervalle l'un de l'autre. Tu vois, Atomic a réalisé 9 tours à les softs tandis que 7 pour l'ordium et Yoda avec les médiums. Et du coup, il a profité pour pendant ces deux tours creuser un écart assez important. Par rapport à l'ordium, l'écart il n'est pas si gros que ça. Non, il n'est pas énorme parce qu'au final, il le maintient à 16 secondes, pardon. Parce que voilà, prochain... c'est avec les softs. Ça l'a aidé, les softs. Au prochain arrêt. Voilà, il faut qu'il fasse au moins 20 secondes avant le prochain arrêt pour pouvoir sortir de voilà. Et le prochain arrêt, il risque de se retrouver 7ème. Hein, parce que quand tu regardes 16ème derrière lui, t'as l'ordium. Ensuite, une seconde derrière Ashiroku, ça fait 17. Obi-Wan. 5 dixièmes, allez, donc ça fait 18 secondes de maxi à Obi-Wan. Plus 2 Yoda, donc 20 secondes, il peut se retrouver 7ème. Donc attention à Atomic Wizard de ne pas perdre de temps. Après, par rapport à l'ordium, il est dans la même stratégie que Obi-Wan, donc ouais. Voilà. Ouais. Oui, c'est vrai, 10 tours chacun. Et on voit que Ashiroku. Obi-Wan, lui, peut mettre pour l'instant encore le DRS, contrairement à Atomic Wizard qui, lui, n'a rien, n'a pas de pilote devant soi pour gagner un peu de temps. Ashiroku, il a du mal avec ses pneus. Hein. Parce qu'à chaque fois qu'il freine, il y a blocage de roues. Hein. Ouais, voilà, il a du mal. Il a 23 tours. Ça freine moins, du coup, il freine plus. Et... Par contre, Widi, qui est dans la boîte de vitesse de Matt. Ah, oui. Ah, il se loupe au virage. Dans les palettes, tu veux dire. Hmm? Dans les palettes, tu veux dire. Ouais, la boîte de vitesse, toi, t'es vieux, là. Mais. Et tu vois Matt qui se décale pour pas donner l'aspiration. Je sais pas si ça va marcher. Dans le bossé, Matt qui se rate un peu. Ah, et Matt qui plonge au stand. Je le vois pas au stand. Ah si, ouais, je viens de le voir au stand. Si je le cherchais. Qu'est-ce qu'il chose? Il chose les soft. Encore. Ah, ça a été... troisième train de pneus soft là, non? Ouais. C'est ça. Et il va troisième et dernier. Ouais, ça, il va terminer en medium, je pense. Ouais. Et Yoda qui fait l'intérieur sur Obi-Wan. Yoda qui est bien remonté là. Qui va stacker à Ashiroku. Après, je pense que Obi-Wan qui s'arrête au stand. C'est ça. Et après, vu le rythme d'Ashiroku, je pense. Ah, vu le rythme d'Ashiroku, je pense que Obi-Wan va peut-être prendre le meilleur. Parce que Obi-Wan il perd plus de temps en piste là maintenant que. Qu'autre chose. Ah, il perd du temps à Ashiroku, hein. Je vois avec Yoda, au niveau freinage, il bloque à chaque fois les roues. Ouais, à chaque fois les roues, il les bloque. Alors qu'Atomic Wizard, on disait tout à l'heure, mais là il est sur un très très bon rythme, il perd pas de temps par rapport à l'ordium et Yoda. On va dire 10 secondes, allez 15 secondes et demi entre Atomic Wizard et l'ordium. Donc il perd pas de temps.
Et sur un bon rythme. Ah, Shiroku, 24 tours quand même avec les médiums. Comme Netball, 23. Shiroku, hop. Oui, il lâche rien, Shiroku, hein. Il est toujours derrière, à peu près au contact de Yoda. Contact malgré qu'il perd du temps. Alors, info de dernière minute, mes amis lyonnais, prenez espoir. Oula. Combien à la mi-temps il y avait eu? De 0 et la 2. Entre Leipzig, c'est ça? Ouais, c'est ça. Les Autrichiens. Ah, Yoda, 3 secondes de pénalité, par avertissement répété. Alors, au bout de combien de secondes on a... Enfin, les pilotes ont une disqualification. Tu le sais, toi, David? Ça va être 20, hein, je pense. 20 secondes? Ouais, 20, ouais, je sais. Un truc comme ça va vite, 20 secondes à coup de 3 secondes à chaque fois. 3, tu veux prendre 3 secondes pas tout. Parce que tu coupes un virage, et tu mets une roue un peu en dehors des limites, ça fait un avertissement, et au bout de 3 avertissements, tu prends 3 secondes. On va faire attention le mardi prochain. Ça va être très compliqué, je pense. Déjà, David lui va faire attention de ne pas abandonner. Ah ouais, déjà, faut que je recommence à faire abandonner. Oui. Pour une fois que je suis pas devant Calif, quand je suis pas devant Calif, j'abandonne. Mais quand je suis pas dernier... Ouais, bon là après, tu peux partir devant. Et Matt qui réalise le meilleur temps en course. Ouais. Là, tu peux partir devant, au pire, si tu te loupes... Tu peux sortir, il n'y a pas de mur, il n'y a rien là. Non. Et Matt est revenu à moins d'une seconde d'Atomic Weather là. Ça y est, il peut mettre le DRS. Voilà, après, c'est vraiment être constant sur ce virage. Prends tous les virages de la même façon. Quand je t'ai dit, tu prends un virage mal, tu perds beaucoup de temps. Donc, ça, oh, Chris Jovial. Il avait abandonné déjà. Alors que Matt, ça y est, passe à Tommy Weather. Bon, c'est pas le même rythme puisque Matt sort avec 2 tours en soft, tandis qu'à Tommy Weather, lui, a 13 tours avec des softs. Bon, c'est pas du tout pareil. Et d'ailleurs, Tommy Weather n'a pas forcé. Alors, du coup. Hop là, les écarts sont bien creusés. Oui, est-ce Alex, tu disais. Est-ce que tu aurais le classement, non? T'as pas le classement du championnat? Non, je ne suis plus le classement parce que, voilà, entre les pilotes qui passent du F2 au F1. Ah, ok, d'accord. Les changements, moi j'ai abandonné, je commence. Yes. D'accord, ok, ça marche. J'arrive plus à suivre, voilà, tout simplement. Okay. Chaque semaine ça change, il faut effacer des pilotes parce qu'ils sont remplacés par d'autres, donc voilà. Bon, désolé, mais c'est pas grave, c'est normal, ouais, bien propre et tout. Et j'ai laissé tomber parce que chaque semaine il y a un nouveau pilote. Là, tu vois, ils sont 14 ce soir, dont vous disiez tout à l'heure 5 ou 6 du F2, donc c'est pas représentatif du championnat F1. Alors, au final, j'ai laissé tomber. Sinon, vous pouvez aller voir sur le Facebook PlayStation F1 et F2 e-Series, le groupe Facebook. Là, ils le tiennent à jour. Ou alors régulièrement sur les réseaux sociaux F1, quoi, différents groupes F1, où ils partagent régulièrement. Mais là, non, là, je pourrais pas vous dire. Hop là, mais tous les écarts sont faits. Hein. Ouais. Je suis en train de regarder s'il y a un peu de bagarre, mais. On va faire un petit peu de promo, à la limite, si quelqu'un a une promo à faire. David, t'as pas une promo? Ah non, c'est une offre, non, de pilote pour. Offre de sponsoring. Ah, sponsor, oui. On veut une nouvelle voiture.
Voilà, carrément, quoi. C'est un peu compliqué, penser aux écuries qui n'ont pas d'argent, c'est la période de Noël. Ah ouais, faites un don, Et quoi. faites un don, rendez heureux une écurie de Formule 1. Voilà, des milliers de personnes travaillent jour et Milliers, nuit. carrément. Ah oui, alors. Oui, Ah, Tommy Gozer qui entre au stand. On va pas louper ça. Et 14 tours, les softs. Et là, il va chausser les médiums. Voilà, Il s'est pour passé Tommy Gozer. par l'ordium. Et pas encore, hein. Pas Non, encore, il est non. toujours Non, là. non. Allez, ça y est, là, ça Ça vient y de est, ouais. passer pour l'ordium. Et apparemment, il va rester devant Yoda. Bien joué. Pas de stratégie d'Atomic Weather. Ah non, même pas. Ah Oh non, là, il y même avait pas. bug chrono là. Là, il y avait bug Non, chrono. non, il est au Ouais. contact. Non, il ressort cinquième. Ouais. Juste derrière Yoda, justement. Et derrière son Dead coéquipier ball. Netball. Ouais, voilà. Qui va reprendre le tour. Qui va lui reprendre le tour, du moins. Qui se téléporte beaucoup. Ah, Titi a Ah, abandonné. Titi qui a Ah, abandonné. l'abandon de Titi. Où se trouvait Titi? Et pourtant les murs sont loin, donc qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est Titi Wall normalement. Et je n'arrive pas à Secteur le voir. 3, drapeau jaune qui dure sur le secteur 3. Donc c'est secteur 3, je suis en train de chercher. Ah, il est en plein milieu sur juste avant l'arrivée, avant le départ vers les stands. Il était en plein milieu. D'accord. Alors peut-être qu'on va le voir, Atomic Weather peut-être sur J'aime bien et non, je le vois pas là, ouais. parce que juste après le virage, le petit droite là, D'accord. il y a un petit mur, il me semble. Et je pense qu'il a dû le percuter, je crois, le mur. Et j'ai peut-être ralenti ta queue. Bon, moi je vais vous faire une petite promo d'un championnat, bon, pas de F1, mais sur Project Cars. Alors que Matt, encore 3 secondes de pénalité, décidément il a 9 secondes si je me trompe pas, au moins 9. Julien était qui nous dit sur le F2 tu peux suivre le classement, on est globalement tous là à chaque fois. Oui, c'est vrai que pour l'F2 pour le coup, il n'y a pas de souci, vous êtes toujours là. Et puis vous ne faites pas descendre du F1 ou F2. Non, les pilotes F1 sont minimum 15 à chaque fois. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et Titi qui nous dit erreur, vibreur direct avec mon poteau le mur. Et voilà. Ah. Le seul mur où c'est le plus étroit, ben c'est là, là, Voilà, c'est ça. c'est la ligne des stands là. Donc ouais, je disais, nous avec Alex, on organise un championnat sur Project Cars. C'est complètement différent du F1, bien sûr. Sur Project Cars avec la catégorie GT3 et l'Audi R8 Cup. Donc uniquement l'Audi R8 Endurance, Le Mans Endurance. Sur 6 manches américaines. Allemandes, pardon. 6 manches allemandes. 1h20 de course. 20 minutes de qualif et donc bien sûr classement première deuxième division montée descente donc en ce moment depuis lundi dernier c'est le contre-la-montre pour désigner les pilotes dans chaque division soit division 1 soit division 2 c'est sur le Nürburgring Nordschleife très très compliqué pour certains. Et le compte de la montre, c'est jusqu'à quand? Et il est jusqu'au dimanche 22 23h59. Voilà. Précisément. Pouf. Précisément. Au-delà, on termine, enfin, on clôture justement le contre-la-montre. On fait un tableau, on fait un classement. Et on vous laisse jusqu'au 17 janvier, vendredi 17 janvier, pour vous préparer mentalement, physiquement, trouver des sponsors. Parce que certains n'ont pas de sponsors. Ouais. Tous ceux qui veulent me sponsoriser, déjà, Voilà. personne n'a encore réalisé mon chrono, donc Ah ouais, parce que tu n'as pas encore non, réalisé le chrono, toi. non, Donc on peut même pas le savoir. comme Personne on n'a encore dit, réalisé mon chrono. Donc. le meilleur pour la fin. Il va nous le Voilà. claquer, il va le Ouais. mettre à 23, le 22 décembre à 23h58, Oui. précisément. Non, 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 non. Là, Et après. donc voilà, c'est un championnat qui aura lieu tous les 15 jours à partir du 17 janvier.
Et donc, bien sûr, c'est notre chaîne Les Amateurs du Live Sim Racing pour la division 1, parce qu'on ne peut pas être sur les deux divisions. Mais la division sera diffusée ici même sur Les Amateurs du Live avec toi, Alex, et moi-même. Voilà. Tout à fait, oui. Après, s'il y a des gens qui sont intéressés, ils peuvent s'inscrire sur la page Facebook de la team, c'est ça? Oui, la team ASR, c'est ça. Team ASR, ou alors sur les différents groupes Project Cars qu'on partage régulièrement. Audi R8 Cup, exactement, voilà. Si vous voyez ça passer un moment ou un autre, que vous êtes intéressé, n'hésitez pas à commenter. Soit nous, on vous recontacte, soit vous nous contactez directement en privé. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors que Atomic Weather est revenu dans les routes, Yoda derrière, quatrième pour la quatrième place. La stratégie qui marche bien. Ouais. Alors on a Chris Jovial qui nous dit trop difficile pour les amis. Désolé. Alors les amis, par rapport au projet de carte, tu veux dire? Que j'ai pas compris. Vu qu'il a abandonné, peut-être. Son abandon. Oui, peut-être. Ouais. Trop difficile pour les amis. Alors, c'est pour ça. C'est... Ou alors trop difficile les amis, tout court. Peut-être ouais. Le pour est peut-être un trop. Ouais. Et Titi qui dit t'inquiète Chris. Et il demande justement s'il était sorti à Titi. Oui, belle bagarre en ce moment. Mika Roby, Titi qui nous dit. Mika Roby, ouais, il y a une belle bagarre. Mais plus belle encore entre Atomic et Yoda. Et Atomic qui vient de passer devant, à l'instant, devant Yoda. Et oui, pardon, ouais, mais du coup, j'étais en train de lire des commentaires. Et... On va suivre Mika, on l'a pas vu. Ouais, là tu peux du coup parce que ouais. Yoda est en train de perdre du terrain sur Atomic Weather. Mmh. Atomic Weather qui réalise une belle course, mine de rien. Ah oui, il a bien réalisé, oui. Bah, c'est vrai que. Dès le début de course, il a de le temps. Mmh. Alors il lui dit qu'il est tranquillement en tête du GP. Ah, il est sur un fauteuil. Hein. Ah oui. Là pour le coup, ouais. Ah, oui. Il fait pas d'erreur, il y a le rythme pour, il reste constant. Voilà. Et une bonne gestion de la batterie aussi. Rien à redire, on n'est pas surpris, on est plus. C'est ce que j'ai et du surtout, mal. Surtout, même avec des médiums, il creuse l'écart par rapport à Matt. Après, le problème avec les softs, c'est que ils vont fonctionner au début. Et après, voilà. Ouais. Bon, on le voyait, au bout de 6 tours, déjà, Matt il était en difficulté. Après, en plus de ça, il y a encore le rythme pur. Ah, il y a 3 secondes de pénalité. Ouah, alors que Mika est en mode bug, on va dire. Oui, moi j'ai. Téléportation sur la piste. Mmh. Ouais. Et Mika qui ne revient pas justement sur Obi-Wan. Hein. Obi-Wan, ça y est, est passé au-dessus de la seconde. Ouais, il a peut-être fait une erreur. Après, il est aussi à 8 tours de. Avec sa gomme. Ouais. Salut à toi, Oné Nitro. Pilote de F2, je crois, il me semble. De mémoire. C'est bien possible, comme ça je ne sais plus. Il me semble, il a je crois. Dans le F1. Et il pilote de F1? Ouais, il a pilote dans le F1. Après, je sais pas s'il a intégré le F2. Je sais plus. Enfin, je me souviens de sa première course à Monaco. Ouais. Bon, il a dû rentrer il n'y a pas si longtemps que ça, parce que sur les deux classements que j'ai, F1 et F2, au bout de 6 Grand Prix, je l'ai toujours pas, donc ça prend bien qu'on s'aille à Monaco, je pense. Ah d'accord, ouais, donc c'était il y a 15 jours, ok. Donc, je vais voir si je trouve et donc justement Chris Jovial qui nous dit, oui messieurs, les commentateurs, donc il parle pour nous, trop dur le F1 pour moi vu que je roule en F2. Ah ouais, voilà. Ah, c'est pas les mêmes rythmes, hein, c'est vrai que ouais, c'est... Le niveau... ouais. Enfin, après, trop dur, oui et non, c'est par rapport aux autres pilotes que c'est plus compliqué parce que voilà, le niveau est un peu plus élevé avec le FM, mais après, toi tu gardes ton niveau, ton rythme, donc ça reste pas plus dur pour toi au final. C'est juste que t'as beaucoup moins de bagarres. Ouais, le F1 et F2, il y a un goût. Autre chose.
juste regarder. Matt qui prend 3 secondes de pied. Ouais. Oh là là, bah, je vais vous compter ça. Combien de Matt il a de pénalité, mais ça fait. Je crois 12. Là, il était au moins à 12. À moins qu'on en ait loupé une, c'est ce que je me dis, parce qu'on sait jamais. Oh, je crois que c'est à 12. Hein. Alors, 3. C'est trouver le classement. Si ça fait 12, tu sponsorises les clubs. 10, 9. Ouais, 12, il a repris deux avertissements de suite après les 3 secondes. Donc il va pas tarder à avoir 3 secondes supplémentaires. Donc pas loin des 15 secondes au final. Tu vous annonce le nouveau partenariat avec les. les aventures du live. Ouais, là, 12 secondes, ce qui fait au classement. 10 et 12, ouais, il a 26 secondes de retard sur l'ordium, d'avance sur l'ordium. Ouais, ça lui fait plus que 14 hein, au final. Deux pour qui, pour Atomic? Deux. Non, Matt, il a 12 secondes de pénalité, donc du coup, il a 26 secondes sur l'ordium. Oui, techniquement, il a la deuxième place. Après, il y a encore le jeu d'Arostand qu'il doit faire. Oui, Robi-Wan qui revient fort sur Ashiroku, là. On le voit à moins d'une seconde. Et Robi-Wan a réussi à lâcher Mika, et maintenant, il s'attaque à Ashiroku. Sachant que Robi-Wan a 10 tours en soft et Ashiroku 34 avec les médiums. Après, Roby, qui est niveau usure des gommes, il s'est déjà géré. Donc, ouais. Je crois qu'il a mieux tenu sa gomme. Comparé à Shiroku qui bloque assez régulièrement. Ouais, il a toujours ce problème-là, Shiroku, il bloque vachement. Après, Shiroku, il veut, je sais pas ce qu'il veut tenter, il a 35 tours sur sa gomme. Et il a pas encore d'arrêt. Et Atomic Weather a 12 secondes de pénalité. Celle-là, je l'ai pas vu passer. Et je voyais pas les pénalités de Tommy Weather, mais apparemment il a 12 secondes d'après Titi. Mais à chaque coup, il veut réaliser un coup. Je crois qu'il veut pousser les jaunes. Après, je sais pas si c'est utile, mais il veut pousser les jaunes et ouais, mettre les rouges à la fin. Il a 35 tours sur sa gomme. Je crois qu'à 40 tours. Ouais. Même là, il peut déjà s'arrêter parce que là, les softs, je sais pas, ils peuvent aller jusqu'à 16 tours, un truc comme ça. Mais je crois qu'il va essayer de pousser jusqu'à 40 tours. Ah, quoi que ça peut. Ah, ça peut être un pari. Hein. Faire un arrêt comme ça et. Voilà. Et Matt qui a plongé au stand. Clairement, une stratégie à deux arrêts pour Ashiroku. Ah, Ashiroku, il glisse comme. Ah oui, et bien Robi-Wan qui passe devant lui. Après, je pense qu'il devrait s'arrêter là, même le soft. Allez, ça rentre pour Obi-Wan par contre. C'est pas Shiroku, c'est Obi-Wan qui s'arrête à 11 tours. Avec des softs. Et il prend 5 secondes de pénalité, Obi-Wan. En plus. Aïe, il est rentré trop vite au stand. Trop vite, c'est ouais. Ça oui. Et Shiroku a 12 secondes de pénalité. En tout cas, attention à Shiroku. Et ça sort les médiums pour Obi-Wan. Ouais, pour finir la course. Ouais. Parce que Ashiroku, soit il met les hard, soit il met les soft. Et on l'a pas vu, mais Matt est rentré au stand, du moins ressorti. Oui, il l'a dit, je crois, David, il me semble. Ah, d'accord, et il a chaussé les médiums. Allez, 3 secondes. Voilà, c'est ça. Ouais. Ah, ça a beaucoup suivi aux pénalités. Eh oui. Faut faire attention à ça. Matt qui prend 3 secondes aussi. C'est ça, il a mis une roue un peu hors du vibreur et. À la moindre roue, tu dépasses du. Ouais.
Après, le principe, c'est tu dois garder les au moins deux roues sur la piste. Voilà, après, c'est... Il y a Mika qui revient sur Ashiroku. Ah oui, Ashiroku, il est en... Il est sur une autre... Il glisse, hein. Voilà, il rentre au stand. Et il rentre au stand, ouais. Il va mettre 5 secondes pour Ashiroku. Ah, dommage. Je crois qu'il va mettre les softs. Ah, moi, je suis bien curieux de voir d'où ça va finir. Ouais, je vois bien les softs aussi, moi. Pour les derniers... Et c'est bien ça, les softs pour Ashiroku. C'est vraiment deux abandons, ce qui est pas mal, mine de rien. Et deux abandons sans accrochage. C'est chacun parti à la fois. Du coup, Ashi, il sort à 23 secondes de Mika, en comptant que lui, il est en soft. Donc, il va potentiellement passer devant Mika. Après, voici sa stratégie à l'épée, en tout cas. Ouais. Il n'y a pas énormément de bagarres, oui. Bon, je pense que Fofo, tu vas nous laisser. Je crois que mon petit doigt il dit que tu te lèves à de bonne heure demain, 4h du matin, il me semble. Ouais, et c'est ça. Ouais, je me lève à 4h, donc comme tu dis, je vais vous laisser. Vous êtes deux en plus, donc ça tombe très très bien. Je vais en profiter pour essayer de me reposer parce que je vous cache pas qu'avant de commencer le live, j'étais vraiment, vraiment pas trop en forme. Après, ça fait toujours plaisir de commenter quoi qu'il arrive, donc d'être avec vous, toujours un régal. De toute façon, on se retrouve, je crois que le prochain rendez-vous. Et vendredi, c'est... si on vendredi, enchaîne, ouais. C'est vendredi, ouais. Donc tout à fait, ouais. Vendredi pour les 2 heures de spa en LMP2. Mm. Donc vous pourrez voir David, justement, si je me trompe pas. Non, David, c'est pas... moi c'est entre guillemets. S'il a des sponsors. S'il a le sponsor. Voilà. Là. S'il a l'argent pour. Bon, en tout cas, messieurs, je vous dis à très très vite. Rendez-vous donc pour tous qui nous écoutent donc vendredi avec Alex et moi-même. Mmh. Et tout à fait. Je vous souhaite bonne soirée. Oui, toi aussi. Allez, bonne nuit. Bonne soirée. Merci. Et bon courage. Ciao, ciao. Merci, ciao. Titi. Ciao. Hop là. Mais là, on se retrouve tous les deux. Ah, il reste plus que 13 tours. Il reste plus que 13 tours. Bon, je pense que s'il n'y a pas de problème, Guidi devrait terminer premier. Je vois pas comment il va pas terminer premier. Hein. Ni moi. Après, voilà, ensuite. Il a un arrow stand d'avance sur Matt. Là, je crois qu'il va rentrer. Il a 25 tours sur sa zone. Et là il va peut-être ressortir, mettre les softs, peut-être. Oui, parce que le meilleur temps, je sais pas s'il a le meilleur temps. Il rentre au stand, ouais. Du coup là ce luxe là il va mettre peut-être les softs. Ashiroku, le meilleur temps, ouais. Voilà, on en parle. Bien vu. Ah c'est ça, il met les softs. Ouais, bien vu. Du coup, voilà, il va chercher le meilleur tour, disons. Voilà, techniquement, c'est plié, on va dire. Ah oui, c'est plié, oui, oui. Après, Matt, il est pas en sécurité dans le sens où il a 12 secondes de pénalité aussi. Ah oui, tout à fait, oui, oui. Il y a Tommy Quasar qui a fait une belle course, si il la mérite bien, ça. Mais troisième place.
Ah, c'est plus que mérité vu le départ qu'il a fait. Ah oui, tout à fait, hein. Mais je pense que tout le monde était surpris par ce tour de formation et lui, il est parti comme s'il partait réellement quoi, en course. Hein. Voilà, après ça m'était arrivé. Voilà, ça. J'étais pris. J'étais en train de chauffer ma gomme pendant un tour. Pendant qu'il faisait un tour rapide. Dès le premier tour, je me prends un drapeau jaune. Après, il faut se dire pour les personnes, c'est très dur de faire un bon démarrage aussi. Et qu'on part sur la piste comme ça, faut bien doser au niveau de l'embrayage, de l'accélérateur, c'est très difficile. Ouais, c'est un tout. Enfin, c'est. Après, moi, je suis pas très bon en départ. Voilà, mais. Mika, ouais, Mika, il est au stand. Je voyais près de. Je voyais, il pédait des places. Je vois, le circuit, il est très technique. Ça va être compliqué. Ah oui, tout à fait. Je pense que mardi, ça va être compliqué pour moi. Je me suis entraîné Ah, vite moi. fait et je suis meilleur à la manette qu'au volant. J'ai essayé, j'ai fait un meilleur Ah tour ouais. à la manette qu'au volant. Je sais Ah pas ouais, quand pourquoi. même. Il y a certains circuits, je suis meilleur à la manette qu'au volant. Bah, moi je sais pas, je suis entre les deux, je sais pas. Même pas la manette, mais je suis pas bon. Techniquement, je suis pas très très bon celui-ci. Je vois les mecs avec le plein, ils font mon chrono. Donc. Ils font mon chrono en qualif, donc. Déjà, tu dis ok. Alors, il y a une valse de pilote qui met des softs. Ah oui, et là on va à Allez, l'Ordium en voilà. 1:32, meilleur tour. Ah, ça va commencer à tomber. Alors, moi je fais un petit pari sur Dizzy. Le meilleur tour. En 1:31 et quelques. Ah, je fais On est en train pareil. de le suivre. Bon, là tu vois la batterie elle est à 5, donc on est tout sur le tour rapide. Là, il recharge sa batterie. Non, là il est en mode chrono, après ouais. Tu sais, il est dans Ouais. une partie lente, c'est pour ça qu'il est passé à zéro pour recharger la batterie. Ah, ça aussi, il y a une gestion aussi de la batterie. Hein. Oui, c'est ça. Alors ça, je suis incapable de gérer, moi. Ça, Bah, dans c'est les pas lignes mon droites, dos. tu sais sur ta batterie, dans les. Ah, 1:31, lui dit. Mais je crois qu'il a eu un avertissement, donc c'est pour ça que son tour n'est pas validé. Si tu veux, dans les parties rapides, tu peux mettre ta batterie. Mais dans les parties lentes, ça sert pas à grand chose, c'est mieux de la recharger. Lui dit envoyer la bonne trajectoire, c'est. Ouais, il faut aussi avoir la bonne trajectoire pour être rapide. Et tout ça, il faut s'entraîner. Ah oui, Ça c'est. vient pas du jour au lendemain. C'est de l'entraînement, c'est de l'entraînement, c'est. Enfin, c'est comme tout, hein, il faut pratiquer. Tout à fait. Et lui dit qu'il s'est raté à la chicane dans le sens où il a mordu, je crois qu'il a pris un avertissement. Ah, ça va vite avec le mode. Alors, Titi qui nous dit sur live, il y a une catastrophe pour le départ, on a oublié de mettre le tour de chauffe et on s'est tous fait avoir au départ. Mille pardons pour ça. Même nous, Titi, on s'est fait avoir, hein, parce qu'on avait vu, ils sont partis. Sauf Atomic qui était vigilant. Voilà, il n'y a qu'Atomi qui a eu la bonne opération. Après, au final, voilà, je crois que là, les cartes sont rééquilibrées. Plus ou moins. Alors, il lui dit qu'il a bien chargé sa batterie. Est-ce qu'il va se lancer dans un tour chrono? Ou bien attendre que le réservoir se vide un peu. Oui, il continue à charger. D'ailleurs, on va se mettre à caméra embarquée avec Willy. Hop. Ah, faut le faire, ces trajectoires sont fluides. Ouais. Je vous mets pour les pilotes de F2 si vous voulez savoir la trajectoire avec la télémétrie.
Flo qui nous dit merci à vous, Alex et David, de gérer la fin du live. Il est pas couché encore, nom de Dieu. Ah, Shiroku qui passe sur Obi-Wan. Ah, c'est de les slash. Ouais. C'est comme dans les F2, ils slash pas les deux. Les seules batailles en plus c'est que Obi-Wan et Ashi. On va se mettre dessus. Hop. Oui. Ashiroku et Obi-Wan. Allez, et ils s'assistent encore les. Ouf. Et David, Obi-Wan qui passe, Ashiroku qui passe, après Ashiroku qui va repasser. C'est le, chat de la... non, a... c'est le jeu de chat et de la souris. Moi, un coup à toi, un coup à moi, un coup à toi. Après, je crois qu'ils sont habitués à ça. Ah oui, je pense. Ouais. Là, je trouve qu'il est large dans cette trajectoire. Moi, je serais étonné qu'il prenne pas des pénalités. Je vois beaucoup prendre la sortie large. Et pour moi, oui, on voit, il a du mal. Certains virages, il a du mal. Ouais. Je sais pas si c'est la manette ou c'est le pilotage qui fait ça. Et on voit Mika qui revient aussi derrière, au niveau d'Ashiroku. Oui, il a 4 tours sur sa gomme. Ouais, c'est une... il peut faire une belle opération. Widi, 1.32.282 pour le meilleur tour. Voilà, c'est ça de fait. On prend la pole. On prend la première place. On prend le meilleur tour. Mmh. Mika qui se rapproche très dangereusement de... Après il peut prendre le meilleur sur les deux parce qu'il a peut-être l'avantage de la gomme. Alors hop là, Julia Marie qui nous dit sur le live, merci Alex pour la trajectoire de Widi, est-ce que Widi pourrait aussi rouler pour moi? Ah ben je sais pas, toi de demander. Titi, il se ne lâche pas, juste échange de baquet, je pense qu'il parle de Obi-Wan et Ashiroku. Ouais. Et Titi en F2, Ashi est sur McLaren et Obi sur Williams. Ouais, c'est ça, merci. Dans le F2 c'est le contraire. Il se bagarre déjà ici alors j'imagine mardi prochain. Ah ça va être compliqué. Par contre Mika il est revenu tranquillement. Ouais il est revenu chez Ashiroku. Je crois que dans la ligne droite du Mistral il va le faire. On voit clairement qu'il a du meilleur trajectoire qu'Ashi et enfin, Ashiroku déjà. Ashiroku il a toujours ce problème de blocage de roue à chaque fois, à chaque virage. Moi, je crois que c'est la manette. Le DRS pour Mika, est-ce que ça, je pense que ça va être juste? Est-ce qu'il va plonger? Non. Ah, il y a Titi qui nous fait un petit point sur les pénalités. Ashi a un total de 20 secondes de pénalité. Roby 8 secondes. Il lui suffit de rester derrière. Allez, Williams. Ah, bientôt le... C'est la disqualification.
C'est au-delà des 20 secondes, c'est ça? Je sais pas, je crois que tu es dans une zone dangereuse quand il y a 20 secondes de pénalité. Il faut que Mikaï passe vite. Oh oui, c'est ce que j'allais dire. À l'intérieur. Ça bug beaucoup. Oui, ça bug, ouais. Et il est pas passé. Ah, et Mika tâteux. Qui part à la faute, oui. Ouais, il part à la faute, c'est... Allez, le panneau là, Pirelli. Allez hop, il a tout embarqué devant lui. Fofo qui nous dit sur le live, je vous écoute, votre voix me berce. Ah, on va lui chanter une petite berceuse alors s'il veut. Et yo, Hachi qui perd du terrain sur Obi-Wan. Ah, je crois que la gomme commence à faire son. Titi qui nous précise, non, il ne disqualifie pas. Saison passée, on a eu un pilote qui a eu 33 secondes de pénalité et pas de disqualification. Moi, je sais qu'en au Mexique, là, je m'étais fait disqualifier. Je sais pas combien de secondes j'avais eu. C'était pas mal, quand même. Un bon petit paquet, surtout. Pierre Cuvillier sur le. Sur le live, trois pilotes dans la team Fruitos. Ah, c'est la team FRT, c'est la team Fruitos. Ah oui, ça. Ouais, c'est la team Fruitos. Une belle brochette là, de Fruitos, hein, on peut le dire. Je me commence. Ah, une petite salade de fruits en tête. Voilà. Ashiroku, 3 secondes. Moi j'ai des fruits et des légumes. Oui, 5 fois par jour. Pierre Cuvillier qui dit ah non, 4. Ah oui, il y a Weedy, Lordium. Dommage qu'il y a Atomic. Si Atomic faisait partie de la fruit. Oui, il y a Weedy, Matt, Lordium, Yoda et Mika. Ils sont 5, ils sont pas 4, ils sont 5. Ah, donc il faut que Mika remonte à la 3ème place. Mm. Et que Atomic il sorte du top 5. Et Titi qui dit pour toi, David, tu as dû faire une erreur sur la piste, David, pour être disqualifié. Ah oui, c'est ma première course. C'était au Mexique, honnêtement. C'est la pire course que j'ai jamais. Moi, la pire course, je crois que c'était Monaco. Pour l'instant. Ah, ouais, moi, dis-toi que moi, je connaissais pas encore le jeu et tout. Mexique et tout. Oh là là. Tu sais, j'ai premier tour de formation, je savais pas ce que c'était. moi, je crois qu'il y avait un tour de formation. Et du coup, je fais le premier tour, je chauffe ma gomme et tout, je fais des trucs. Bah, non. Les mecs, ils me prennent un tour au premier tour. Ça commence bien. Ah, c'est vrai que c'est difficile hein. Les premières fois sur F1, c'est chaotique. Hein. C'est même moi, c'était pareil. Hein. Je comprenais rien. Les stands avec les boutons, les DRS, le. Après, pour ma défense, j'avais pas speed. Trois secondes pour Netball. On va aller un peu à l'arrière du peloton. On les a pas vus ces pilotes avec Gopher sur l'Alfa Romeo. On a un netball. Hop. Bon, en parlant de Gopher, il a pris 3 secondes de pénalité. J'ai dû le déconcentrer. Je me suis mis dessus. Oh, ça va vite, hein. 3 avertissements. Oh, ouais.
Et il reste Dis, plus est-ce qu'il va prendre que. un toit? Il reste plus que 3 tours Ouais. avant l'arrivée. Lui dit qu'il sera tempé dans le dernier virage, mais je sais pas. Normalement, le podium, ça devait être Sol Affair, Weedy, Matt et Atomic Weather. Ouais, c'est après dommage pour Lordium qui a. Ouais. Et cette troisième place qui était vraiment possible. Mais après, Atomic, il a bien joué au niveau des stratégies. Ah oui, là, il a oui. 12 secondes d'avance. Voilà. C'était clair et net depuis le début. De A à Z, il a fait une bonne course, que ce soit au stand ou. Ouais, il a profité au début. Voilà, de il course a profité, de... ouais. La petite embrouille, il a pris la tête et. Il a eu un bon rythme et une bonne stratégie. Voilà, il était plutôt constant. Après, attention, il a pris combien de pénalités, ça? Ah, ça. Parce qu'après, c'est ça aussi, hein, il faut compter le nombre de pénalités. Alors, lui dit, on sait qu'il n'en a pas beaucoup. Je crois qu'on peut le voir, je crois, dans le directeur de Mais course. Dans le directeur de course. Ouais. Alors là, techniquement, Matt, il se sauve. Hein, s'il garde les cas de 17 secondes, hein, de l'atomique. Atomic il a combien de secondes de pénalité aussi là. Après, ils ont une belle course, ils avaient le temps avec eux, à part au qualif. Mais là, tout au long de la course, il faisait beau. Oui. En espérant que ça fera de même pour nous la semaine prochaine. Ah, voir, à voir. Après, on était pas mal gâtés dans le F2. Pour le F2, on n'a jamais eu de pluie. Pour ma... Je me Sauf à rappelle plus. Monaco. Sauf à Monaco, ouais, en vrai, à on a eu Monaco, une ouais. fin de course, mais sinon, ça va. Qui va bientôt engager son dernier tour. Ouais, on va se mettre sur lui. Allez, hop là. Caméra embarquée. Ah, c'est en train de pleuvoir des pénalités, il y en a là, mais je pense que. Ah oui, tout le monde. Ah, Après, tout y a le la monde, fatigue aussi. Oui, il y a la fatigue aussi parce que tu sais, lent 53 tours. Ouais, après, il faut être concentré, éviter. C'est compliqué, hein. À 8 qui a failli bête là. Oui. Et Matt qui se met en sécurité par rapport à sa pénalité. Oui. Là, je fais un tour embarqué avec le Aucuidi. Les vibreurs sont tout petits comme ça, mais la roue vite à la faute. Ah oui, cela. Après, Mika, il est remonté sur la chanson, mais bon, malheureusement, il a fait une erreur. Malgré son erreur, il a quand même pu remonter sur la chanson. Après. Peut-être avec les pénalités de la Champagne, il pourra gratter quelques places. Bon, il y a Obi-Wan qui laisse passer pour pas faire un autre tour supplémentaire. Ah, tête à queue! Ah là là là! Ah, il récupère la voiture. Il nous a fait une belle manœuvre.
Ouais, et voilà le vainqueur. Oui. Avec un petit drift en prime. Oui, voilà. Après, ensuite suivi de Matt. Ah, attention, attends que tous les pilotes arrivent. Oui. Parce qu'après, il y aura les pénalités. Ah oui, les pénalités, là, il y en avait pas mal. Je pense qu'on va décerner un trophée à celui qui a le plus de pénalités. Alors, qu'est-ce que c'est intervalle leader. Voilà, après, il y a la moitié des pilotes qui sont pris un tour, deux tours, ça va. Ah, c'est pas énorme, hein, comparé après, à d'autres. C'est une course plutôt maîtrisée. Oui, tout à fait. Ouais. Et Yoda et Lord Jun qui terminent. Yoda qui arrive un peu. C'est bizarre, je veux Obi-Wan, il est laissé passer Yoda. Hop là, c'est terminé pour Yoda. Classement provisoire, on va dire. Avant les pénalités. Cinquième. Après Obi-Wan qui va en terminer aussi. Et après, c'est tout le monde est arrivé. Et là, on va voir le classement. Bah déjà, Yoda, il est sixième. oui, tout à fait, oui. Widi, sans surprise. Il a pas de ah oui, sans surprise. Non. S'il en a, alors, peut-être qu'il en a très peu. Hein. Ouais, Matt, 18 secondes. Oh, il y a eu beaucoup de pénalités. Ashiroku, 29 secondes. C'est pas mal au niveau des pénalités. Ils sont fait plaisir. Bah voilà, au final, les pilotes, ils ont été rapides sur la piste, mais si t'as 25 secondes de pénalité, au final, tu les perds un peu. Ouais. Ça gâche un peu tout ton travail. Alors, en tête, on a Widi, suivi de Matt, deuxième, troisième, Atomic, quatrième, Lordium, cinquième, Yoda, sixième, Obi-Wan, septième, Mika, huitième, Ashiroku, neuvième, David, dixième, Ayrton, onzième, Netball, douzième, Koffer, et treizième et quatorzième, je pense qu'ils ont... Oui, c'est abandonné, Titi et Chris. Écrit jovial. Ah oui, les pénalités là. Pouf. Ashiroku, il a la palme. 29 secondes. Ah oui. Matt aussi, là, 18 secondes, c'est pas évident. Ah oui, c'est pas. Oui. Et le meilleur tour est réalisé par, bien sûr, Widi. En 1:32.200. Oui, il prend tout. Il prend pole position, voilà. Le début de course a un peu été, voilà, vite fait. Après, c'est repris. Il a fait une course parfaite hein, parce qu'il a 3 secondes de pénalité, c'est le seul, qui a 3 secondes. Ça, en ayant le rythme, il maîtrise parfaitement la piste. Ah, ça c'est incroyable, 3 secondes de pénalité, c'est. Que 3 secondes de pénalité, c'est. Bon, moi, Alex. Oui, eh ben, j'étais ravi de commenter avec toi. Bah, pareil, hein, le circuit c'était un peu compliqué pour les pilotes, mais au final, au début de course c'était bien, après, bon, comme. Bagarre et tout, et après ça s'est un peu décanté. Oh, tout à fait, ouais. Ok, ça marche. Mais là, on va te retrouver sur la piste, soit vendredi peut-être, entre guillemets. Ouais, c'est ça, vendredi entre guillemets. Ou sinon, on se retrouve mardi, voilà. On se retrouvera côte à côte. Si, voilà, si je casse pas. Voilà. Donc voilà, ah, ben, je te remercie, David. Bah, moi aussi, hein, je te remercie et bravo au pilote. Hein. Et merci à tous d'avoir suivi le live et merci aux pilotes et félicitations à Widi pour sa course. Ah, il se voyait en tête du championnat. Oui. Pour la prochaine diffusion des amateurs du Live Sim Racing, on se retrouvera vendredi à partir de 20h sur Project Cars 2, sur les 2 heures de Spa. Voilà. Donc je vous souhaite tous une bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao les gars.